Goudargue dans le Gard. Un petit garçon âgé de 8 ans est resté enfermé 3 jours avec son beau-père décédé chez lui. Calvaire. Que s'est-il passé? Il y a quelques jours à Goudargue dans le Gard, le 29 décembre dernier, un petit garçon de 8 ans est entré dans un bar du petit village, seul. Il raconte alors ce qui lui est arrivé. Il est resté enfermé chez lui pendant près de 3 jours, avec son beau-père mort dans des circonstances qui sont encore inconnues. Ce dernier devait se charger de le garder pendant les vacances scolaires, et le petit garçon de 8 ans l'a vu mourir dans leur appartement. Enfermé, et sans téléphone, le garçon a mis près de 3 jours avant de parvenir à sortir de l'appartement pour alerter les voisins et après les forces de l'ordre. Les gendarmes se sont rendus sur place et ont trouvé le beau-père allongé sur le sol, sans vie. Les expertises ont confirmé que le décès remontait à 3 jours. Une procédure est ouverte pour rechercher les causes de la mort, a indiqué le procureur de la République de Nîmes. Il ajoute, mais rien n'atteste d'une origine criminelle. Une autopsie va être réalisée pour déterminer les causes du décès du beau-père. Le lieutenant Christophe Carboni expliquait, la compagnie de bagnoles sur 16 est en charge des investigations sur place. Guillemets.